courez vite au ravitaillement. Il faut du pain, du fromage, quelques légumes et rapportez-moi le journal. C'est parti. Oh, souris chef, Chagéga te fait dire d'aller le voir immédiatement. Il a dit que c'est très urgent, c'est parce que c'est très urgent. Je n'aime pas beaucoup ce genre de conversation. Ça sent la catastrophe. Ça devait arriver. Je ferme les yeux et puis craque, tous les ennuis me tombent sur le dos. Mais voilà, Chagaga, que se passe-t-il? Oh, souris chef, il se passe que je suis très ennuyé, voilà. Oh, tu as des rhumatismes? Oh oui, toujours, mais c'est plus grave que ça. Mais dis-le tout de suite au lieu de tourner autour du pot. Eh ben voilà, je me suis fait gronder par mon maître parce que je vous laisse faire vos charabandes. Vous faites trop de bruit et les locataires se plaignent, voilà. Nous faisons trop de bruit, nous, mais nous sommes discrètes, silencieuses et disciplinées. Mais ils entendent tout par les conduits des cheminées. Ils ont décidé de vous faire taire. Et regarde, ils ont même apporté cet engin mécanique pour vous attraper. Oh, j'ai une surprise. Oula, je vais te libérer. Attends, pas d'affolement, pas d'affolement. J'ai compris le système. Attends, voilà. Voilà. Oh, la sale machine. Oh, nous voilà sauvés. Tu vois ce qui nous attend. Il faut faire quelque chose pour échapper à ce supplice. Oh, je vais encore me faire gronder et peut-être me faire renvoyer. Voilà. Ne t'inquiète pas, Chagaga. J'ai mon plan de défense. Oh, oui, bah j'espère qu'il réussira. Prends le bas de combat. Il faut boucher tous les conduits de cheminée, tout le monde est mobilisé. Notre liberté en dépend. Tu as vu, souris chef, j'ai enfoncé un gros étroit dedans. C'est parfait, souris sotte, voyons la suivante. J'ai sacrifié toutes mes robes, elles font un gros bouchon. Tu seras décorée, souris belle. C'est parfait. Souris, c'est très bien. Vous avez bouché là aussi, c'est très bien. Il y a quelque chose dans le jeu, c'est parfait. Souris, je suis contente de vous. À présent, nous sommes sauvés. Les cheminées sont bouchées, on ne peut plus nous entendre.